manger. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je suis de Bordeaux, Licon, votre serviteur de tous les temps. Autrement dit, l'homme du 20 décembre est à capter. Zou dans carton. Voilà. Ok. Dames et messieurs. Voilà. Je suis là, l'homme du 20 décembre. Voilà, qui vous parle, qui vous parle, qui vous parle, qui vous parlera toujours. Merci pour vos messages de félicitations. En tout cas, vraiment, avant de commencer, je tenais à m'excuser par rapport au retard, hein. Ouais, vraiment, j'ai vraiment mis j'ai vraiment mis du temps. Voilà, désolé, désolé. Et merci aussi pour vos messages de joyeux anniversaire, tout ça, ça... Ça dit, non. Droit au cœur. Ouais. Ouais. Donc, les gars, merci, merci, merci pour tout. Merci pour tout, les soutiens. Voilà. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet. Mesdames et messieurs, de Bordeaux, les confrères, fait le concert du 20 décembre, son anniversaire de ses 15 ans de carrière. Et j'ai été ébloui et épaté par certaines présences. Voilà. Vraiment, j'aimerais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Entre guillemets, je vais citer. DJ Mix, l'homme du 22 décembre. Tu m'as honoré depuis ma promotion jusqu'à l'apothéose, tout et tout. Je suis flatté. Sincèrement, il faut regarder ce qui va se passer à ton concert. On va prier et jeûner. Toute ma légion viendra te soutenir. Tous les légionnaires. Oui. Que Dieu voilà là où tu es, que Dieu te bénisse. Ariel est chaîné et dit, comme je le dis toujours, tu es béni. Tu es béni. Merci. Ça ferait le bien. Ça ferait le bien, petit. Tiens du. Ton teint clair respire la lumière. Que la lumière soit sur ta vie. Respect. Mon petit Obams. Respect. Oui. Le Père, son Excellence, on est le malin. Il nous a donné la vie. Wow, 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 parti. Il est de foi. Le Père Ronel Malavier tient du. Merci aussi pour cette prière. Merci pour cette prière et d'avoir prié pour la cérémonie. Merci d'avoir prié aussi pour... Non, vraiment, merci le Père. Salut, je ne peux que dire merci. À tous ces artistes-là, mais qui ont fait que le déplacement. Sans oublier l'homme du 29 décembre, Baby Philippe. Donc, après le 22 décembre avec DJ Mix, on doit automatiquement boucler avec Baby Philippe le 29 décembre. Vous voyez un peu cette sorte de soutien d'union dans le coupé décalé. Alors, Ivoiriens et Ivoiriennes de part et d'autre, de divers continents, divers pays, villages, tout et tout. Voilà l'exemple qu'on vous donne. Oui. Suivez donc. On n'a pas assez d'argent, mais on a quand même de la valeur. Et on a nos valeurs. Vraiment, merci à tous ces artistes qui ont effectué le déplacement. Afrobeat. Même le vieux père, Abba Champion. Abba Champion, merci. Et merci pour ta présence. Tiens du, Abba Champion. J'ai vu un peu l'engouement, j'ai vu un peu la détermination de tous ces fanatiques du coupé décalé, ces adeptes du coupé décalé.
à mon concert. J'aimerais aussi que vous fassiez ce même déplacement pour DJ Mix, ce premier, le 22 décembre, et aussi pour Baby Philippe, le 29 décembre. Montrez combien de fois le coupé décalé est uni. Oui. Voilà. J'arrive, hein. Voyez un peu. L'affaire fut belle. Et je suis très flatté. Donc, rendez-vous le site ou pas raté. DJ Mix le 22 décembre. Et Baby Philippe le 29 décembre. Désormais, plus personne viendra nous manipuler. On est fatigué de ça. On prend de l'âge. Oui. Les victimes de la manipulation sont des esprits faibles. Et nous avons tous compris, ça ne marchera plus. Oui, il est grand temps qu'on s'aime. Voilà. Tous ceux qui rentrent dans cette logique de comparaison, c'est terminé. Quand tu vas les demander, ils te diront que ouais, c'est pour vous booster. On n'a pas besoin que vous nous boostez. On n'a pas besoin de votre manière de booster. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes conscients que c'est de par la musique que nous nourrissons nos familles. Et on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Merci aussi à Nash, la Goukrakla. Merci à Nash. Merci à Força Déborda. Merci à Força Déborda. Ah. Merci à Força Déborda. Merci à Débordo King. Merci à famille de Bordeaux Forever. Merci à de Bordeaux Forever. Merci à de Bordeaux King, Força de Borda, team de Bordeaux Le Kumfa, famille de Bordeaux Forever, cité de Bordeaux Le Kumfa, la nation de Bordeaux. Merci à tous ces fanatiques-là même, parce que c'est grâce à vous. Sans vous mentir, ce concert en temps normal, on partait tout droit vers un poteau. Oui, oui. Oui, on partait tout droit vers un poteau. Mais comme on dit, Dieu ne dort pas. Dieu s'est encore manifesté dans ma vie. Oui. Pourquoi on partait tout droit vers un poteau? On partait tout droit vers un poteau parce qu'il y a eu un problème de communication. Oui. Il n'y a vraiment pas eu de communication. Oui. De la part du promoteur. Bon, je comprends bien qu'il est un peu novice et qu'il ne maîtrise pas la situation. Oui. Mais bon, c'est aussi un peu comment on appelle ça, les inconvénients quand tu bosses avec des personnes qui viennent à peine de commencer, qui aiment le mouvement. Voilà ce que ça donne. Mais bon, je crois que de par là, il a pris encore de l'expérience. Il pourra se... Merci à Hassan Ayek. Merci à Hassan Ayek. L'homme du bénévolat. L'homme par qui Dieu passe pour apporter la guérison aux malades. Un homme de rêve. Viens payer là où tu es. Retiens surtout que de Bordeaux le Kumfa est avec toi. Je ne peux que te dire merci. Hassan Ayek. Sans oublier Sidi B, l'homme des premières instances. Respect à toi. Oui. À tous les artistes du coupé décalé, retenez surtout que je suis avec vous. Et... on va se battre pour rehausser toujours l'image de coupé décalé. Nous allons travailler. Oui, nous allons travailler. Et Dieu merci, les choses ont commencé à reprendre. On va bosser, on va bosser. Je dis merci aux promoteurs et merci à tous ces artistes-là même, voilà, qui ont effectué le déplacement. Et tous ces fanatiques, vraiment, c'était pas évident, hein, parce que c'est un jour ouvrable, les gens sont en train de travailler, quel temps vont prendre pour venir assister au concert de Bordeaux, mais ils ont laissé leur boulot vendredi, se sont lavés et venus chez les lieux. Je ne peux que dire merci. Mais on va bosser encore, travailler encore pour qu'on ait ces gens de rassemblement et valoriser notre musique, notre culture ivoirienne, notre culture. Oui. Viva l'Afrique, viva la Côte d'Ivoire et viva les Ivoiriens.
Oui. Maintenant, ce qui concerne les Ivoiriens, le message que j'aimerais vous donner, c'est d'arrêter de créer cette discorde à chaque fois. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays vrai, mais souvent faux. Oui. Vous comprenez? Parce que il faut encourager quand il faut encourager. Vous comprenez un peu? Je comprends que tout le monde essaie de déstabiliser un peu tous les artistes de part et d'autre. Hein? Voilà. Mais c'est une force politique. D'aucuns disent que voilà, c'est pour nous emmener à travailler, mais vous ne connaissez pas la psychologie de tout un chacun. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit, il y a des gens qui sont vraiment faibles d'esprit. Bon, nous, on est des cabris morts. Moi, de Bordeaux, de Gonfa, pouf, moi, on n'en a rien à foutre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Un jus par là, un jus par-ci, un jus par là. Ce qui me rend fort, c'est Dieu. Et la confiance que j'ai en moi, c'est Dieu qui installe ça en moi. Donc, de pavot, parati, patata, patati, j'ai confiance. Ils ont parlé, bec, 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 de Bordeaux, ça va tout droit vers un poteau. Évidemment, j'allais vers le poteau, mais Dieu s'est manifesté. Il a renversé la situation. Aujourd'hui, mes ennemis sont confondus. Oui. Ben, ça ne fait que commencer. Vous serez encore confondus. Oui. Sans sponsor. Sans personne. Autorité zéro. Personne. Tout seul, j'étais livré à moi-même. Tout seul. Il y avait seulement que mes fanatiques qui me soutenaient. Oui. Parce qu'ils étaient dans une logique de me de m'appuyer. De m'appuyer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est mes propres frères ivoiriens. De m'appuyer. Mais comme je le dis, quand il y a Dieu dans ta vie, l'humiliation ne vient pas de ton côté. L'humiliation va toujours vers ceux qui veulent t'humilier. Et je rends gloire à Dieu. Oui. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi et pour ce que tu feras pour moi. Jeunesse de Côte d'Ivoire, je ne vais pas te dire que je suis un homme de Dieu patenté, fini, fatigué. Non. Grand pécheur, c'est moi. Perdu dans la nature, c'est moi. Mais j'ai un seul repère, c'est Dieu. Tu peux le faire autant. Et évidemment, il faut le faire. Parce que dans tout ce que tu entreprends, s'il y a Dieu dedans, il faut dormir tranquille. Oui. Merci à tous ces grands frères qui m'ont soutenu depuis la promotion jusqu'à actuellement. Et même ceux qui ne m'ont pas soutenu, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'ils n'ont pas considéré de Bordeaux, peut-être même qu'ils ne me considèrent pas. Il n'y a pas de souci, c'est la vie. Mais je dis merci à tous ces zouglophiles qui ont bataillé pour la bonne marche de cet événement. Merci aussi à tous ces coupés décalés, ces artistes et tout, ces chantres même, ces footballeurs, en l'occurrence Samuel et ton fils, je ne peux que vous dire merci. Merci pour tout et pour tout et pour tout. Oui. L'avenir, on va se préparer pour l'avenir. Et merci aussi à notre boxeur ivoirien qui cogne, qui continue de cogner, qui est venu prendre les bénédictions ici en Côte d'Ivoire. Michel Soro. Michel Soro. Respect. Et merci de m'avoir honoré. Je ne peux que te dire merci. Je vais t'honorer aussi à mon tour lors de ton prochain combat de l'autre côté des États-Unis. Oui, tu as décidé qu'il soit là. Je serai là et j'arrive. Oui, et je viendrai. Hein, Michel Soro? Je viendrai. Voilà. Donc, à tous les fanatiques de Bordeaux Likoumfe, merci pour tout ce que vous apportez au Mimi. Merci aussi à Eric Thor. Merci à Eric Thor. Merci à Arunan, le gouverneur. Merci à tous ceux qui font une bonne marche de propagande pour de Bordeaux Likoumfe, qui, en tout cas, qui font du bien de Bordeaux Likoumfe. Maintenant, on va se concentrer sur notre carrière. Et sur la musique, comme je l'avais dit, hein, j'allais vous apporter des mélodies, à savoir Que du sale, à savoir Atalaku des rêves, oui, Pololo, tout et tout. Voilà, ces musiques-là sont en marche, en fabrication. Baby Philippe est arrivé, oui, l'homme du 29 décembre, il est arrivé.
On va bosser, on va vous apporter encore de la joie. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui sont des détracteurs, même du coupé-décalé, hein, entre guillemets, on va pas dire des Bordeaux, des Confa, qui disent non, depuis tel n'est pas là, et voilà, le coupé-décalé n'a plus sa même saveur. Non, c'est normal. Un pion sur du coupé-décalé s'en est allé. Didier Raffat, qui représentait 50% du coupé-décalé. Ben, ouais, on va dire 50% du coupé-décalé actuel, hein, de la nouvelle génération, qui est parti, effectivement. C'est pas du jour au lendemain comme ça, bam bam, que les choses vont répondre. Je suis un peu désolé. Voilà. C'est avec le temps. Tout le monde va se retrouver. Donc arrêtez de pouvoir enfoncer vos attisses. On fait de nos mieux, on se bat pour vous apporter du plaisir. Si ça ne vous intéresse pas, ben bon, tant pis. Nous, on a une vie, c'est la musique. On a une passion, c'est le coupé-décalé. On va se battre pour vous apporter de la joie. Voilà, il reste 50%. Et tous ces artistes-là, chacun de nous a un talent. Ariel a un talent, Mix a un talent, Kedjevara, DJ Léo, Safarel, tout ça, c'est des talents. On va bosser, on va se battre et on va apporter du plaisir à vous, Ivoiriens, pour rehausser encore l'image du coupé-décalé. Ça ne sert à rien de pouvoir envenimer les choses, à pouvoir détruire, inciter les gens à la haine. Voilà, pour voir tous les artistes tomber, tous les artistes mourir. Qu'est-ce qui vous anime? Demain, quand tu n'as rien dans ta vie, demain, quand tu es blessé ou bien soit tu es dans un état critique, tu fais appel à Hassan Hayek. Vous voyez un peu? Les gens pensent que les malédictions partent de d'où? Les malédictions partent de nous-mêmes. C'est ta pensée. Oui, c'est ta pensée. Quand tu penses mauvais, il y a un karma pour ta mauvaise pensée. Quand tu penses bien, il y a un karma pour ta pensée positive. Vous comprenez un peu? Quand tu te concentres à vouloir faire du mal à quelqu'un, ben sois-en sûr que tu vas payer. Les gens pensent qu'en se cachant derrière les claviers, tout et tout, en écrivant, tout ça, vilipender, inciter les gens à la haine contre une personne. Et ils se disent que voilà, je le fais et puis demain, rien ne va m'arriver. Je suis désolé. Autant tu le fais, sois-en sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ça ne connaît pas. Parce que cette énergie négative que tu dégages contre quelqu'un, cette énergie va revenir contre toi. Ça s'appelle le karma. Dieu a créé le karma pour nous montrer combien de fois nous ne sommes rien. La seule chose qui nous renforce, c'est l'amour et le pardon. Moi, je pardonne un peu tous ceux qui m'insultent à longueur de journée. Je les accorde ce pardon. Même vos injures n'arrêtera pas mon amour pour mon prochain ou bien pour tout ce que j'ai pour le coupé-décalé, tout ce que j'aime aussi. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, très cher Ivoirien, il est grand temps de soutenir vos artistes. Oui, parce que partout, on est adulé de partout. Au Cameroun, on est apprécié, on est aimé de partout. Voilà. Mais vous êtes dans une logique de vouloir déstabiliser tout artiste. Et ce n'est du tout pas bien. Oui. Vous poussez les gens à leur dernier retranchement afin de les engloutir et de les ensommer. Ce n'est pas bon. Oui. J'entends les gens dire non que ouais, Rafat est parti, voilà, plus rien ne va se passer, on va tout boycotter, on va tout saboter. Non. Arafat n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus la musique, mais Arafat était surmené. Oui, il était surmené, il était envahi de panneaux critiques. Nous, on ne peut pas parler des critiques parce que c'est vous-même qui avez dit que quand vous clashez, quand vous insultez, quand vous lancez des pics, c'est pour mener les artistes à travailler. Mais ce sont ces mêmes pics qu'Arafat nous lançait et nous, on rétoquait. Vous comprenez un peu? Tout ça, c'est dans la vibe, c'est des clashs, tout ça pour rehausser l'image du coupé-décalé. Mais n'empêche qu'en bas, en soumis, on s'aimait. Vous voyez un peu. Mais je veux parler, je veux généraliser au fait. Vous comprenez un peu. On a soutenu le mec dans ces instants où il avait le vent en poupe. Mais pourquoi, quand il était dans la désolation, on l'a lâché? La faute ne revient pas à De Bordeaux que je suis. Non. Moi, j'ai représenté quelque chose dans sa vie. La faute revient à nous, Ivoiriens. Comment nous nous sommes arrangés afin de perdre une icône qui est partie, pas parce qu'il voilà, il n'aimait pas ses fanatiques ou pas parce qu'il n'aimait pas la musique, mais il est parti parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie qu'il a mal digérée
la moto qui roulait là, c'était le moyen, c'était un moyen pour lui de se suicider. Vous comprenez un peu? Parce qu'il en avait marre. Il en avait marre. Et il y a des personnes qui prennent un malin plaisir de pouvoir faire la même chose pour d'autres personnes, pour d'autres artistes. En l'occurrence, moi, de Bordeaux. Mais moi, non. Il y a des personnes qui ont une force de caractère psychologique hors du commun. Mais d'où je puis cette force, c'est de par Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez beau insulter de Bordeaux, monter, descendre ici. Donc, comme s'il n'y a rien entendu. Il arrivera parfois où je vais parler, mais bon, bref, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis musique là, je vais faire, je vais continuer. Mon frère s'est imparti et il sait pourquoi, Dieu sait pourquoi. Il a appelé DJ Rafat. On est tous des pécheurs, personne n'est bien que l'autre. Nous tous là, on monte au Maudia. Oui, lui il a eu peut-être des malheurs de pouvoir présenter ses frasques, mais nous tous on commet des frasques ici, dans le fond. Mais bon. On ne va pas l'en vouloir pour ça. Mais c'est la vie. Dieu l'a appelé. Nous qui sommes là, on doit suivre cette ligne. L'amour du prochain, le pardon. Travailler en collaboration, dans une convivialité. Aimer son prochain avec Dieu et on avancera. Ce n'est pas en étant guindé, haï, tant. La haine vous donne quoi, les gars? La haine vous donne quoi? La haine nous donne absolument rien. La haine nous donne absolument rien. Il est grand temps de se ressaisir. La vie de nos joueurs est devenue très courte. Vous comprenez un peu? Et le système d'AVC, c'est pas parce que tu manges bien ou tu es bien nourri, tout et tout. Non. Du simple fait de regarder quelque chose. Quand tu regardes quelque chose et que le cerveau, c'est-à-dire, tu regardes une image et cette image-là t'envoie une information au cerveau. Tout ça, c'est un petit taux de stress que cette image t'envoie. Une bonne chose au cerveau ou une mauvaise chose, c'est une part de stress. À plus forte raison, venir se concentrer sur la vie de quelqu'un, réfléchir, penser méchamment. Tout ça, c'est chaud. Donc, ce taux de stress emmagasiné, lorsque ce stress-là n'est pas évacué dans quelque chose, ben ça tourne aux maladies. Donc, les gars, il est grand temps de changer un peu d'aspect. Pour nous booster, c'est pas en nous insultant, mais pour nous booster, c'est en nous encourageant. Parce que cette pète joue un peu de partout. Ben, Dieu merci, il y a des artistes comme Kedjevara, Ariel Chene, Safarel, qui arrive encore à faire du travail, à porter un plus au coupé décalé. On ne va pas baisser les bras. Un soldat est tombé, mais la guerre continue. Oui. Donc, de grâce, allons tous soutenir DJ Mix. Allons tous soutenir Baby Philippe. Soutenez vos artistes. Il est grand temps qu'on arrête ces méchancetés. Je vois des pages qui pensent tellement qu'elles sont cachées. Et je ne sais pas sur quoi elle compte, à force de pouvoir attirer des likes, lance de cette diffamation, dénigre même des artistes pour rien. Et quand tu leur demandes, ils te disent non, voilà, c'est une page. Et c'est une chose bizarre. Ces pages, pensent qu'elles sont cachées, au fait. Vous n'êtes même pas cachées. On a l'œil sur vous. On connaît des personnes qui vous connaissent. Pour mettre la main sur vous, ben. Il suffit, bam, bam, et ça se passe. Bam, bam, et ça se passe. Et des panneaux relationnels, si on t'a mis quelque part à la maca, tu ne pourras plus jamais sortir. Et après, tu vas crier, non, je m'excuse, tout et tout, nanani, machin, non. Vous avez une force de pouvoir divulguer des informations. Être journaliste, c'est pour éclairer un peu la voix du peuple. Maintenant, si vous voulez enfoncer le peuple, et retenir le peuple contre ses propres artistes, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, changer un peu de mentalité. Big up à First Mag, big up à I Love Coupé Décalé, Hit de Babi, tout et tout. Voilà, merci.
pour votre part de soutien. Big up à ODCI, tout et tout. Merci pour votre part de soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour Bordeaux les confins. Je vous demande juste de soutenir vos artistes. Arrêtez un peu de monter le bas peuple contre ces artistes que nous sommes. Je vous demande pardon. Ressaisissez-vous. Et il sera préférable que vous montrez une belle image de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les artistes. Et ça va nous servir. Ça va nous servir. Voilà. Merci à tous ces artistes qui ont effectué le déplacement. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, merci pour tout ce que vous faites pour le coupé décalé, pour la culture ivoirienne. Et quant aux autorités, moi j'ai joué ma part de réconciliation où j'ai emmené tous les artistes coupés décalés. Il sera préférable aussi que vous fassiez un peu. Vous soyez un exemple pour la nation et pour la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Faites quelque chose pour nous, Ivoiriens. Sortez du cadre de la manipulation à vos besoins. Il sera préférable qu'on arrive avec des idées afin de pouvoir aider l'Ivoirien dans son lendemain meilleur. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Pardon. Et aidez vos artistes. Aidez. Parce que sans culture, nous ne sommes rien. Nous sommes désorientés. Et nous nous battons pour la culture. Aidez les artistes. Sortez du contexte de distinction. Oui. Mais réintégrez-vous dans cette union. Car nous avons déjà commencé. Merci à tous ces artistes. Merci à tous les Ivoiriens. C'était moi, Debordoni Koufa. Le Mimi, comme je le dis toujours, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Oui. Car seul Dieu est le début et la fin de toutes choses. On est ensemble et que Dieu bénisse tout un chacun. C'était mon Debordo de Koufa, l'homme du 20 décembre qui a fracassé. Et je crois que je vais organiser un autre événement encore. Un événement de remerciement. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique. Que Dieu vous bénisse. C'était l'homme du 20 décembre. On est ensemble et mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi, seul Dieu me gère. On est ensemble et ciao, ciao. C'était le mime. Ah oui. Bye.